Coucou mes petits loulous, bienvenue sur Andromeda, sur une planète avec une viabilité de 7%, ce qui est extrêmement pas évolué, mais vous avez vu la taille d'un hub, alors c'est pas très grand, hein, mais je pense qu'il y a pas mal de... Enfin, ça a pas l'air grand, mais je pense que c'est quand même assez grand. On vient de récupérer le véhicule et on va atteindre ici, cet endroit, pour en fait faire comme sur la planète 7 qu'on a fait au début du jeu. Essayer de faire en sorte de changer le climat et donc de faire en sorte qu'il n'y ait plus de radiation. Si on en a la possibilité, donc peut-être que ça va être un échec. Mais on va découvrir ça avec le véhicule. Ce qui est la merde à conduire, je vous le cache pas. C'est un petit peu la merde. Bon, ça sera toujours moins horrible que... Je crois que c'était le Mako. Mais bon. Attendez, on est bien sur le bon truc. Putain, vous avez... En fait, finalement, si, c'est plutôt grand. C'est vaste, quand même. Tout le monde était plein d'espoir quand les premiers colons ont été envoyés ici. Après toute la merde que le Nexus avait endurée, on pouvait enfin croire en quelque chose. Et puis, les rapports sont arrivés. Cette fois, ce sera différent. Oui, je suis plus que prête à retrouver la foi. Donc c'est bien là, on est d'accord, mais quoi? Pour nous deux. T'es mignonne, mais comment on y va là? Attendez, je comprends pas, bref. Faut pas comprendre. Puis alors la carte, c'est vraiment agréable. T'es sûr d'arriver à savoir où il faut aller. Parce que là, je sais pas où est la porte. Il faut savoir que le véhicule subit des dommages en fait. Hein. Là, à l'heure actuelle. Je pense qu'il faut monter là. Hein. Là-bas. Ouais, effectivement, faut monter. Bon, on va tenter la technique de passe-partout. J'ai trouvé. Le signal vient de cette structure devant nous. C'était bien ça. Alors regardez, elle n'a plus son casque parce que dans les options en fait, vous savez au début du jeu quand j'ai commencé le jeu, j'avais dit casque activé si équipé. Et en fait comme en sortie de machin, il est tout le temps équipé. Voilà, on peut le déséquiper seulement pour les discussions et tout ça. Mais bon du coup moi je les ai déséquipés totalement. Pff. Voilà, c'est quand même plus agréable de voir sa tête, même si elle ressemble à rien. Je détecte de la technologie de l'initiative à proximité. Ça vient d'au-dessus de nous. Là-haut, regardez. Près de l'échafaudage. Attends, bon lapin. J'essaie d'analyser les choses. Bon, on va d'abord activer le machin, on verra bien. Ça marche, mais je reçois seulement des symboles aléatoires. Des glyphes. En ajoutant d'autres glyphes à ma base de données de l'habitat 7, je pourrais m'interfacer complètement avec la console. Et avec un peu de chance, ça nous permettra d'activer ce qui stabilisera l'atmosphère. Le scanner me permettrait d'analyser cela, pionnière. Donc il faut aller là-haut. D'accord, il faut aller là-haut. Et je présume qu'en allant là-haut, si on nous met des caisses de munitions, tout ça. On va voir. Oh, à la visite. C'est glissant, mais la vue est magnifique. Je ne détecte pas d'autres glyphes dans les environs. Connexion en cours. Toutes mes excuses pour la gêne occasionnée. Le système semble instable. Il s'est passé la même chose que mon père l'a fait. Votre père s'est connecté directement au processeur d'atmosphère. C'était extrêmement dangereux. Ces structures cachent peut-être le centre de commande. Le système est toujours instable. Doubler la puissance pourrait accélérer le processus. Je vais essayer. Non ! Ça va. Debout !
tout de suite. Oula, du calme. Échouer maintenant. Oh, la tête qu'elle a. Ça fait des mois que j'étudie ce truc. Je sais pas comment vous avez activé ces glyphes, mais il faut les laisser passer par tous leurs canaux. Vous pouvez me faire confiance. Tout ira bien. C'est poser ses mains. Qui, moi ? Je veux dire, je sais qui vous êtes, moi. J'ai vu le vaisseau descendre. Vous êtes une pionnière. Je commençais à me dire que l'initiative vous avait inventée pour qu'on perde pas espoir. Mais non, vous voilà. Et vous, vous êtes qui ? Vous étiez sur le point de me le dire. Je suis peut-être la solution à tous vos problèmes. Hey, et regardez. Nous... Le système s'est stabilisé. J'établis la connexion. Ah. Je les reconnais. C'est les mêmes que sur l'habit à 7. Plus tard. Pour l'instant, détruisez-les. Occupez-vous d'abord de celui-là. Il fabrique des petits robots. Ah oui, effectivement, et... Oula, qu'est-ce... Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Bon, effectivement, cette arme, c'est un peu la merde. Bouffe. Ah, il reste là. Oh joli. Oh ça c'est beau ça. Avec les reliquats, c'est beaucoup moins bien passé. Les reliquats ? Les reliquats ? Ces monolithes, les observateurs, Chips. Les assembleurs, ce sont les reliques de quelque chose de bien plus grand. Mais ça fait trop long comme nom. D'où les reliquats. C'est aussi pour ça que je me fais appeler Pibi. Merci pour votre aide avec ces... trucs. Je m'appelle Ryder. Vous êtes une vraie énigme. J'étudie ces glyphes depuis des mois et vous... Bon, les cheveux là, par contre, c'est horrible. Problème résolu. J'ai vu cette technologie dégager le ciel sur l'habitat 7. On espère qu'elle pourra en faire de même sur Eos. De la manipulation d'atmosphère ? Possible. Ça collerait bien. Toutes les pièces de technologie reliquate sont liées. Vous avez réussi à interagir avec ce monolithe, et maintenant, ils communiquent avec les autres. Si vous les réveillez eux aussi, ils vous mèneront sûrement au système capable de dissiper les radiations. Se connecter au monolithe, suivre le lien jusqu'à la source. Rien de sorcier. Voilà. Évitez juste d'énerver trop d'observateurs. Tenez, mes coordonnées. Je serai... Il faut que j'étudie cette histoire d'interface. Faites gaffe, cette planète est pleine de surprises. Eh ben... Attends, tu veux pas me dire une... Non, c'est pas vraiment ce que j'avais prévu. Je voulais d'abord te parler, mais... Oui, pas faux. Viennent sur des mondes hostiles, à votre avis? Ah, une femme comme je les aime. Suivez mes coordonnées, percez le mystère des monolithes et on aura toutes les deux des réponses. Comment vous avez on fait va quand même lui parler. Vu ce qui est arrivé aux avant-postes, je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un. Je me suis fait déposer. Personne d'ailleurs. J'ai dû falsifier un peu le plan de vol. Le Nexus voulait pas risquer d'autres vies. Ou il voulait pas que les gens sachent. Dommage. Il reste tellement de choses ici. Et certains d'entre nous veulent les trouver. On n'a pas fait tout ce chemin pour se tourner les pouces. Les robots qu'on voit... Je l'aime bien quand même.
Il fallait bien. Les observateurs patrouillent dans le ciel pour repérer tous ceux qui touchent à cette technologie. Les assembleurs fabriquent d'autres reliquats. Je sais pas trop comment encore. C'est peut-être de la mini-fabrication ou de l'impression 3D. Et les fracasseurs défoncent tout ce qui leur plaît pas. Nous, en l'occurrence. Facile à retenir. PB, okay. C'est classique comme nom d'Asari? J'en ai jamais rencontré quand j'étais chasseresse. Oh, vous savez des trucs. Contente pour vous. Moi aussi. C'est qu'un nom. Il sonne bien, il est court, ça fait l'affaire. On espère que cette technologie changera l'atmosphère d'Eos et la rendra habitable. Vous pensez que c'est possible? Oui, peut-être. Je crois, c'est tout nouveau. Enfin, pour nous, parce que c'est là depuis longtemps. Je peux pas vraiment dire. Longtemps, comment? Cette envahie depuis des siècles. Bon, ça fait pas si longtemps que ça, en fait. Mais suffisamment pour que les conditions climatiques partent en sucette. Si tout ça est vraiment lié. Est-ce que d'autres gens okay. se sont installés sur Eos? Il y a les Kert, ouais, les récupérateurs de Clancy, et un vieux Krogan aigri. Qui ça? Ah. Disons simplement qu'il est venu pour taper sur des Kert et qu'il se fout royalement de ce qu'il détruit d'autres sur son passage. Bon, ah d'accord, ok, ça fait plaisir. Oui, il y a plein de choses à découvrir. Au boulot! Eh ben calme, calme. Alors, nous on a pour projet d'aller activer les autres relais. Et les autres relais sont éparpillés à Mes Couilles et Compagnie. Bon, bah allons à Mes Couilles et Compagnie alors. Bon, c'est vrai que l'arme que j'ai choisie, c'était pas la meilleure hein, quand même. Et... Ah, d'accord, la bagnole elle est là. Tu te téléportes toi aussi maintenant? Bon, on va aller sur l'autre. Hein. J'ai un peu bâclé ce dernier combat. Nysira m'aurait reprise sur ma technique. Elle a été une bonne prof. Vous n'avez pas besoin qu'on vous tienne la main. J'aurais seulement aimé me sentir plus à l'aise. Tous ces nouveaux défis. On s'en sort. C'est moi ou je vois des cartes? On a besoin. Oh, bande de... Ah d'accord, bon, ok. Ces machines Kert ne me plaisent pas trop. Ouais, ce qui me plaît pas trop, c'est par où je vais passer. Oh, c'est mignon du crabe. Malheureusement, je... Ah, par là. J'aimerais m'arrêter les buter, mais malheureusement, à cause des radiations... J'ai pas d'adhérence. C'est trop raide. Passez en sirop motrice. Vous serez en haut en un clin d'œil. Pour grimper les codes arrêt en mode tout terrain. Ah d'accord, donc j'étais déjà en mode tout terrain. Ah d'accord. Ah, on peut activer. Oh, c'est ça, pas... Bon, on a atteint le point. Il faut aller là-haut. Joli travail. Par contre, il est un peu mou du genou quand même le véhicule. Ah, mais peut-être que justement en roue motrice il est moins rapide. Regardez là-bas. Cet endroit a un abri, de l'eau, un terrain stable. Il a été ignoré en raison de la présence des cartes à la structure reliquat voisine. Oui, non, mais, oui, alors c'est bien beau de me montrer, mais. Poste. Allez, effectivement. Eux aussi. Est-ce qu'ils ont appris quelque chose? Surtout le genre de truc qu'on apprend à ses dépens. Mais bon, vous êtes là maintenant.
On va d'abord faire ça quand même avant de faire tout ce qui est secondaire. De toute façon, on est un petit peu obligé. Niveau de radiation normaux. Encore des reliquats. Ceci n'a pas l'air hostile. Bah vu que je viens de leur tirer dessus, si. Alors, ce qu'on va faire, on va pas les attaquer, on va voir. Sinon, on est un peu dans le caca. C'est ma faute, c'est vrai que j'ai tiré en premier, mais bon, en même temps, maintenant, on sait que c'est des ennemis, alors bon, j'ai envie de dire. J'ai pas encore tâté du snipe, peut-être que ça pourrait être efficace. Bon, c'est vrai que là, niveau pouvoir, on est pas un petit peu, on est un peu dans la merdiasse. Wow, pouvoir d'amorce, puis un pouvoir détonateur, ça fait un pouvoir dévastateur. Ouais. Bon, petit temps de chargement. T'as planté? Dis pas que t'as planté, j'ai chaud. Bienvenue. Pourquoi je suis là alors qu'on était à notre endroit? Parce qu'en fait, j'ai un temps de chargement infini sur l'autre sauvegarde. Impossible, ça tourne en rond pendant des heures et des heures. Ce qui va se passer, bah, c'est que je vais vous faire une ellipse, arriver jusqu'à l'endroit où on était au début. Voilà. Bah, à tout de suite. Pff, oh, je vous jure, je sais plus, tout à l'heure j'ai fait extraction, je pensais que c'était pour s'extraire, mais non, en fait c'est pour s'extraire de la zone. Je peux pas sortir du véhicule ? Je bouge. Je me replace. Attention, des reliquats. Allez. Ah bah d'accord, il tire à travers les murs. Normal. Bah t'es pas un peu bugué toi? Allez, relève-toi. Ah bah en plus, elle se suicide. Vitrail touché. Oh, tu déconnes.
Allez. Encore des reliquats. Ceux-ci n'ont pas l'air hostiles. On peut pas lui demander d'aller la soigner, non? Merde! Plus de reliquats dans les parages. Ce merdier quoi, je suis vraiment navré, hein, mais problème de chargement, machin et tout, il a fallu que je trouve une strat de merde, mais bon, elle a marché. Je détecte un niveau élevé de cryptage reliquat pionnière. Décryptage requis pour continuer. Mais c'est pas ça que je cherche, voilà, c'est ça. Ah. Elle faisait partie du site 1. Personne n'est venu récupérer son corps. On les croyait perdus, Ryder. On ne savait pas qu'ils avaient été abandonnés à leur sort. Je me demande combien ils sont là-dehors. Beaucoup trop. Lexi, mettez le dossier d'Amira S. Pavlov à jour et envoyez-nous une navette de rapatriement. Bonne idée. Sa femme... Je crois qu'il nous faut plus de glyphes. Je me demande si je verrai quelque chose au scanner. Apparemment, c'est là-haut. Hein. Par contre, comment je monte là-haut ? C'est la preuve du contraire. Il va falloir que je passe par l'interface de contrôle. Ah. Bien joué. D'accord. Ok, bon, on apprend des choses, on avance un peu, tant mieux. Parce que putain, je vous jure que j'en pouvais plus. Attends, on est monté super haut, mais je pense pas que c'était le but. Lancez un scan pour trouver les glyphes manquants, pionnière. Mais je suis monté là-haut. Y avait rien? Ah d'accord, ok, pardon. J'ai pas compris. Interface validée. On devrait avoir assez de glyphes. Contourner le décryptage, utiliser une clé de décryptage reliquat pour prendre le contrôle de cette console. L'interface a échoué, pionnière. Les systèmes de défense s'activent. Mais non, mais c'est pas ce que je voulais. Oh, pas cher. Eh merde. Et c'est hyper pas précis ce sniper. Ça leur apprendra. Bon, alors, attendez, parce que j'ai rien compris à ce machin. Parcourir les glyphes.
Ah, d'accord. Afin de décrypter le code, les glyphes doivent être placés dans la grille. Chaque glyphe ne peut paraître qu'une seule fois par ligne, par colonne ou par forme machin. D'accord, donc là par exemple, j'ai le droit à lui. Donc du coup, ça peut être que lui. Là, ça peut être. Celui-là il y est déjà. Celui-là il y est déjà. Ça peut être que lui. Ce qui veut dire que là, ça peut être que celui-ci. Du coup, là, ça peut être que celui-là. Parce que là, il n'y est pas. Là, là, ben, ça doit être lui. Et donc là, il n'y est pas. Bon, ça va, c'est pas trop dur, mais sur le moment, que de la merde. Ça fait un truc. Je vois des chemins qui s'allument un peu partout. Les monolithes résonnent. Est-ce que ce serait des encibles? Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais ils sont en train de se connecter. Bien joué. Vous arrêtez pas en si bon chemin. Après ce qui vient de se passer, je te garantis que j'ai pas m'arrêter. Bon. Sérieusement? Eh merde! Connard! Ah putain. Best Faites gaffe à la grenade. Tiens, meurs. Pas grave, je te fais mal. Non, je tire à côté, mais quel quiche! Tiens. Je suis coincé. Ah, mais là, c'est parce que... Ouais, si, ça va en fait, finalement. Non, peut-être pas alors. Je suis bloqué, colonel. Ah, je suis bloqué. Ah non, c'est bon. Oui, le point faible d'une IA, le bug. Oh. Ah oui, mets-toi à terre. J'en ai vu un ramper. Là. Oh. Merde. Tiens! Tiens! Alors,
c'est qui le patron ? Les cartes ne sont jamais très loin des reliquats qu'on trouve. Je me disais la même chose. Ah putain. Ouh ! Eh ben, je vous cache pas, c'était pas facile, mais ça va. Là, j'ai été un peu plus, un peu moins con, on va dire, techniquement. Il semblerait que cet appareil reconfigure les panneaux qui sortent du sol. Ça pourrait être utile. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc en fait, ça crée des boucliers, et ça, ils pouvaient pas le dire, con de jeu. Pas le dire avant. Oh, c'est pas grave. Allez, on va faire la dernière machin, et on arrêtera là. Parce que putain, c'est le bordel. Je détecte des niveaux de radiation supérieurs à la normale. Je t'emmerde! Ah, je suis content que ça soit passé parce que je vous jure, j'y croyais pas. Un moment. Ok. On dirait une sorte de complexe carte. Ouais. Les fumiers m'ont piqué mon meilleur site de recherche. Ils vous laisseront pas approcher du mot de vie comme ça. Ah, t'as même pas eu le temps de lancer ta greu, gros noob. Carte en approche. Il fait mal ce snipe quand même, putain. Oh. Oh. Navette ennemie en approche. Sur qui tu tires ? C'est pas une bonne idée de se mettre aussi près. C'est chaud ! C'est chaud ! Ah ! Oh non ! Ah, j'étais gourmande ! Ah, j'étais gourmande. Ah, elle a été gourmande et elle a voulu balancer son pouvoir. Ah, non. Ah, putain. Je sais même pas combien, en fait, au total, l'épisode fait vraiment. Parce que vu que j'ai dû supprimer les parties de temps de chargement illimitées. Je sais pas. Ah, putain, on est super loin, quoi. Mais bon, est-ce qu'il a rechargé l'arme ? Bexy, j'en ai trouvé une autre. Encore une. Très bien. Donnez-moi son identité. De quoi ? On a trouvé quelque chose ? Trouver des cadavres et sans le faire exprès, je suis passé dessus. Pour écoute, on verra bien plus tard. De toute façon, je referai cette zone à fond. En attendant, Hieronymo ! Les capteurs détectent de la technologie carte pionnière. Ouais, t'inquiète pas, on fouillera. Mais si on peut faire en sorte d'éliminer la menace et qu'il restera plus que bon les trucs à chercher, ça serait plutôt agréable.
Pardon. Regarde ton approche. Elle peut pas le heal ? C'est mais voilà, tu te mets à couvert. Oh, joli. Navette ennemie en approche. Ouais, reste. Non, tu veux pas rester là-haut. Merde, y'en a un qui arrive. Tiens, dans la bouche. Tiens. Un peu gourmand le guide. À l'aveugle. Tiens. 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 Allez. Voilà. C'est comme ça qu'on aime. J'avais pas analysé les gros, je suis content de l'avoir fait. Qu'est-ce que c'est ça? Confinement. Ah merde, eh ben ouais. Les bonnes vieilles bonbonnes de gaz et tout ça. Merci. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Mais ça va pas la tête d'être au-dessus du vide. Oh mais je te jure. Ah d'accord, c'est pour...
Qu'est-ce que c'est? Où toi, toi? Bien protéger le monolithe. On va devoir couper l'alimentation du bouclier. Ok, ok, là on fait des choses. Tâchons de l'atteindre avant qu'on ait d'autres. Ah, ça c'est le Krogan. Vénère. Je sais toujours pas qui vous êtes. Je suis ta sœur. Drac, arrêtez. Vetra, qu'est-ce que vous faites là? J'accompagne la pionnière. Cette pionnière-là. Les amis de Vetra sont mes amis. Appelez-moi Ryder. Drac, du clan Nakmor. La classe. La classe. Je m'excuserais de pas faire confiance à des inconnus du Nexus, mais on peut pas dire qu'ils aient bien traité les Krogan. Qu'est-ce que vous venez faire ici? On examine ces monolithes. Les cartes semblaient s'intéresser à celui-ci. Mais on dirait que vous avez fait le ménage. Vous vouliez que je vous en laisse un peu? Le Nexus sait que dalle sur les cartes. Il se croit en sécurité. Mais c'est juste des morts en sursis. Ça fait un moment que je baigne dedans, moi. J'ai déjà détruit des bases Kert et combattu des troupes sur deux ou trois planètes. Je sais de quoi ils sont capables. C'est pas beau à voir. On aurait bien besoin de quelqu'un avec vos compétences. C'est tentant, Vetra. Mais je suis un peu trop vieux pour gagner un combat pour des humains. En plus, le prenez pas mal, mais j'aiderai à nouveau le Nexus le jour où les nuages se dissiperont et les cartes mordront la poussière. Je le prends pas mal. Tant mieux, parce que je m'ennuie. Et les cartes se renforcent. Ils semblent s'intéresser de près à cette technologie alien. Les reliquats? Ouais, ça. Je vais aller en trouver d'autres à allumer. Faites attention à vous. Je l'aime, j'adore ce Krogan. Il a la classe. Bon, ça vaudra jamais Vrax, mais bon. Il est bizarre celui-ci. Ah bah non, c'est un chien. Eh bah écoutez, mes petits lapinous, après c'est fail. C'est fail en pagaille. Bah on va s'arrêter ici, hein. Parce que bon, quand même, j'en ai un peu souffert. Et psychologiquement, je vais faire une petite pause. Du coup, on va finir de monter un petit peu le niveau. Déjà. Voilà, il y a un respect. Ben tiens, on va monter un petit peu Nova. Pouvoir des biotiques offensifs. Permet d'améliorer le maximum de dégâts direct. Ça, on va l'augmenter parce que ça pourrait être utile. Pouvoir biotique, 3 points. Ah, on avait 3 points. Ben voilà. Et confinement. La durée des effets des pouvoirs biotiques augmente à chaque point de compétence. Ah, ben cool, parfait, comme ça. Ah bah cool, on a la sentinelle, et on a le porte-étendard, et on a l'explorateur, c'est bon, ça va aller. Cool, on va augmenter un petit peu Cora aussi, parce que bon, Cora, ça reste quand même une biotique de malade. Qu'est-ce qu'on pourrait augmenter? La Nova, c'est 3 points, la charge. Ah, la charge aussi, ça peut être sympa, vitesse de rechargement, comme ça on pourra l'utiliser plus souvent, ça peut être bien. Et Vetra, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre? AVV,
VV de points. Ah bah tiens, si. L'armure assistée, ça peut lui être utile parce que comme ça, elle subit beaucoup plus de... Enfin, supportera plus de damage. Ah cool, donc on a sentinelle, dégâts de tous les combos, vitesse de rechargement, 20... Absorbe, 20 dégâts au corps à corps, 50%, frappe, ok, franc-tireur, précision des armes, ça, ben non, c'est ce qu'on a déjà, dégâts des armes, résistance aux dégâts, 15% de vitesse de rechange, pouvoir tech, pouvoir biotique, pouvoir, et ok, bah cool. Il nous en manque plus que deux, et ben sur ce, je vous dis à très bientôt pour du Andromeda et moins de fail en compagnie d'Eleanor Shepard. Allez, ciao, ciao.